Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue sur TV Radio de Vie. Nous sommes en direct, il est 20h31 heure de Paris, et nous sommes en direct. Bonsoir, Julien et Herman. Bonsoir. Tout, tout va tout bien Ça va, Dieu Jeu est grâce. bon. Alléluia, Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta fidélité. Papa, conduis-nous par ton Saint-Esprit. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Nous te bénissons pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Nous te, te glorifions en toutes choses. Adonai. Dieu d'Israël, nous te prions, au nom de Yeshua. Amen. Amen. Donc voilà, hier on a parlé sur Christ, hein, la lumière, la lumière du monde. On a parlé sur les sept esprits de Dieu. Donc on a échangé euh, et euh, on a partagé sur pas mal de choses. Et je pense que beaucoup euh, ont été encouragés, beaucoup ont été fortifiés. Donc on va continuer dans la même, euh, euh, voilà, dans la même vision, dans la même pensée. Pourquoi Parce que bon ben, nous voulons euh, justement révéler Christ. Voilà, ça c'est notre, notre mission. Et euh, révéler Christ qui est malheureusement redevenu un mystère pour des millions de personnes, pour des millions de chrétiens. Et euh, voilà, on va prendre euh, un verset, une parole dans Exode, chapitre 24. Voilà, le verset 12. Donc, si Herman peut nous faire la lecture de ce passage, tu vas nous aider à chaque fois, si c'est possible. Exode 24, verset 12. Et Yahweh dit à Moïse monte vers, monte vers moi sur la montagne et demeure là, et je te donnerai des tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. Ok. Dieu demande à Moïse de monter sur le mont Sinaï, sur le mont Sinaï, euh, pour recevoir, n'est-ce pas, des ordres, pour recevoir. Et euh, des révélations concernant la construction du tabernacle, et ainsi que tous euh, ces ustensiles. Voilà. Et euh, donc, euh, alors, la montagne de Sinaï, bien sûr, euh, on peut, dans, dans les Écritures, les montagnes représentent le royaume. Elles représentent également le ciel, selon Ézéchiel 28, notamment. Et Moïse, Dieu l'a invité au ciel, hein, donc euh, littéralement, afin de recevoir des révélations là-haut pour. Le tabernacle qui devait être construit, non au ciel, mais sur la terre. Alors, juste une parenthèse. Hein? Toutes les personnes qui veulent, euh, mes amis, servir le Seigneur, doivent d'abord aller au ciel. Dieu nous invite au ciel, les invite au ciel. Il leur parle, il se révèle à eux, à ses hommes et ses femmes. Et ensuite, ils redescendent sur terre pour y travailler. Vous voyez, mes amis donc, le tabernacle ne devait pas être construit sur le mont Sinaï, mais sur, n'est-ce pas, c est, c est, sur terre, hein, donc euh, et euh, dans un désert, au milieu des enfants d'Israël. Mais Moïse devait d'abord aller, n'est-ce pas, sur cette montagne. Donc, c'est comme ça que le Seigneur procède, en fait. Avant, n'est-ce pas, de se servir d'une personne, Dieu l'invite d'abord au ciel, dans sa présence. Il y a une convocation. C'est là que la personne reçoit des instructions. C'est là qu'elle reçoit une formation, c'est là qu'elle reçoit un caractère également, le caractère dont elle a besoin pour servir le Seigneur. Et ensuite, elle redescend. Et là, quoi que vous disiez, quoi que, quels que soient les propos des hommes, cette personne-là ne peut jamais s'arrêter dans sa marche parce qu'elle a vu des choses euh, là-haut, elle a vu des choses que beaucoup n'ont pas vues. Voilà, donc Moïse euh, reçoit des révélations sur justement la construction du tabernacle et qu'est-ce que le seigneur lui dira au chapitre 25 verset 31 au verset, 30, au verset 40 verset Donc chapitre 25 le verset à partir du verset 31 tu feras aussi un chandelier d'or pur le chandelier sera étendu au marteau son pied son pied sa tige et ses branches ses plats ses pommeaux et ses fleurs seront tirés de lui Six branches sortiront de ses côtés, trois branches d'un côté du chandelier et trois autres branches de, de l'autre côté du chandelier. Il y aura sur l'une des trois branches, sur l'une des branches, trois plats en forme d'amande, un pommeau, un pommeau et une fleur. Sur l'autre branche, trois trois petits plats en forme d'amande, un pommeau et une fleur. Il en sera de même euh, des six branches sortant du chandelier. Il y aura aussi au chandelier quatre petits plats en forme d'amande ses pommeaux et ses fleurs. Un pommeau sous deux branches tirées du chandelier, un pommeau sous deux branches sous deux autres branches tirées de lui, et un pommeau sous deux autres branches tirées de lui. Il en sera de même des six branches sortant du chandelier. Leurs pommeaux et leurs branches seront tirées de lui, et tout le chandelier sera un seul ouvrage étendu au marteau et d'or pur. Mmh. Tu feras aussi sept lampes. Et on les allumera afin qu'elles éclairent vis-à-vis -vis du chandelier. Et ces mouchettes et ces encensoirs euh, destinés à recevoir ceux qui tombent des lampes seront d'or pur. On le fera avec tous ces ustensiles d'un talent d'or pur. Regarde donc et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Voilà, donc on comprend qu'on nous dit ici que Moïse a vu le modèle sur la montagne. Donc on a vu hier que le modèle que Moïse a vu n'est autre, autre que... La nouvelle Jérusalem. C'est ce que Moïse a vu. Et il fallait qu'il, n'est-ce pas, construise euh, 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 et, euh, cette ville hein, en miniature, donc en forme de, de tabernacle. Et ensuite, il a vu aussi d'autres modèles, hein, donc le modèle notamment du chandelier ou de la menorah. Voilà. Pourquoi menorah ben, C'est un terme hébreu qui signifie littéralement support de lampe. Voilà. C'est ça le chandelier. Chandelier veut dire simplement support de lampe. Voilà. Et. Alors, nous allons parler encore ce soir en profondeur, hein, donc on va essayer de parler en profondeur grâce au Saint-Esprit, du chandelier et de ces sept lampes qui sont bien sûr les sept esprits de Dieu. Regardez mes amis, en fait le chandelier représente tout simplement l'arbre dont il est question dans euh, 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 Jean chapitre 15. Et ces sept, ces six branches, n'est-ce pas, représentent simplement les sarments qui sont en fait les chrétiens. Voilà. Donc, on va aller voir rapidement dans Jean, chapitre 15, justement. Qu'est-ce que le maître nous dit Parce que, euh, euh, mes amis, le Seigneur, euh, 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 et, euh, on, va, on va lire d'abord, avant de lire Jean 15, Herman, on va d'abord lire Apocalypse, chapitre 1er. Savez, nous voulons vraiment la, la parole, nous voulons l'enseignement. Hein Donc on veut creuser et, 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 et recevoir toutes les, les illuminations que le Seigneur a pour nous. Donc Apocalypse chapitre 1er, chapitre le verset 20. Apocalypse 1er, le verset 20. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et les sept chandeliers d'or. Euh, et les sept chandeliers d'or, ouais. les sept étoiles sont les sept anges des églises. Et les sept chandeliers que tu as vus sont les sept églises. Donc, on apprend ici que les sept chandeliers sont les sept églises, d'accord? Sont les sept églises, et, euh, et euh, donc ces sept chandeliers sont les sept églises. Alors, euh, et euh, on comprend que le chandelier, n'est-ce pas, était une préfiguration de l'église, d'accord? Donc de l'église et l'église, de, de, Paul nous dit l'église est le corps de Christ. Hein, donc suivez très bien l'enseignement, je pense que ça va beaucoup nous, nous, nous aider. Donc l'église est le corps de Christ. Et le chandelier justement nous dit que c'est l'église. Ok, alors regardez, euh, euh, on nous montre que, on nous dit qu'il y avait combien de tiges en tout sept. Il y en avait euh, sept, une tige principale, d'accord, et, euh, euh, et puis sept, six branches hein, qui partez de cette euh, tige, hein, trois euh, sur la, la droite et trois sur la gauche. Alors on va voir une image hein, de, de la menorah et euh, voilà donc là vous avez bien sûr une tige principale. Donc la tige principale c'est l'arbre qui est Christ et les si euh, n'est-ce pas et, 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 et là vous avez des branches hein, qui des sarments hein, de, voilà, et ces sept euh, euh, branche là ben, c'est cette église, tout simplement. Selon après c'est un vin. Les sept églises. Et on reste sur l'image, hein, mes amis. Et regardez, il y a trois, euh, euh, trois, euh, comment dire, euh, trois niveaux. Hein, il y a trois niveaux ou trois choses principales euh, qui constituent euh, euh, la menorah, le chandelier. La première chose, c'est euh, le pied. On nous dit qu'il y avait un pied. Alors le pied ici représente bien sûr la racine, le fondement. Bien sûr, Christ est la racine. Christ est le fondement hein, de l'Église. Il est la pierre angulaire. Donc, ensuite, on nous dit qu'il y a la tige. Hein, la tige, toujours, c'est bien sûr euh, l'image de Christ. Hein, donc il y a l'arbre qui porte euh, tout, tout le monde. Hein, la tige qui est là. Et puis on a bien sûr les, euh, les sept lampes qui sont les sept esprits de Dieu. Voilà, donc euh, et on va le voir tout à l'heure ou encore les sept yeux, les sept yeux de, de les sept yeux de, 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 de l'agneau. Voilà. Et qu'est-ce qu'on, qu qu peut tirer comme enseignement, comme leçon, euh, comme, comme leçon hein, de, de cette belle image de ce chandelier Eh ben, il y a beaucoup de choses à dire en, tout au long de l'enseignement. Je pense que le Seigneur va euh, éclairer les uns les autres. Donc Regardez ce, que, euh, regardez ce que la parole nous dit dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1 et le verset à partir du verset 9. Il dit moi Jean qui suis aussi votre frère et qui participe à la tribulation au règne et à la patience de Jésus-Christ j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Mmh. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, mmh. qui disait Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux sept églises qui sont en Asie, à savoir à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thiatir, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Alors je me retournai pour voir celui dont la voix m'avait parlé. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Voilà, on a dit qu'il y avait au milieu des sept, des sept chandeliers d'or, au milieu. Hein, donc c'est vraiment la tige qui est là. Hein, c'est Yeshua qui est là, donc, euh, qui se positionne et qui porte ces sept chandeliers. Et euh, donc on voit que Christ, hein, au début, à la naissance de l'Église, marchait en son sein. Il était au milieu de, 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 de cette église, hein, donc de l'église primitive, parce que cette église, bien sûr, représente le corps de Christ dans sa globalité. D'accord, donc la chrétienté dans sa globalité, bien sûr, il euh, y a euh, euh, des personnes aussi qui se réclament de Christ alors qu'elles ne vivent pas pleinement hein, Donc euh, selon sa parole, elles ne vivent pas pleinement la parole, donc ce sont des religieux, donc ceux-là, euh, ils ne sont pas forcément, ces hommes et ces femmes ne sont pas sauvés, bien sûr, et, euh, mais il y a vraiment euh, des enfants de Dieu quand on, on, on lit cette, cette Église, hein, donc on voit bien qu'il y avait quand même des personnes fidèles. Et même là où il y avait la paganisation, il y avait quand même des gens qui euh, ne s'étaient pas paganisés, qui ne s'étaient pas, bien sûr, euh, corrompus. Et donc, on apprend d'abord que les sept comment, le chandelier, c'est vraiment l'Église, corps de Christ. Et qu'est-ce qu'on apprend également Et, euh, et euh, on apprend, donc, euh, avant de, de, de parler de, 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 de cet esprit, on va voir encore dans euh, Exode 25, on va repartir encore là-bas, et qu'est-ce qu'on euh, on, on, on y voit dans Exode 37, pardon Exode 37. Le vers, à partir du verset 17, Herman. Exode 37, à partir du verset 17. Il fit aussi le chandelier d'or pur. Il le fit d'ouvrage façonné au marteau. Voilà, Ça... donc on s'arrête là deux secondes. Et on apprend quoi Donc euh, on, on va peut-être enlever l'image et revenir tout à l'heure. Hein, Benoît, merci euh, Laurent. Et euh, on apprend que ce chandelier était euh, euh, d'or, était fait en or, mais en or battu, c'est-à-dire euh, travaillé avec un marteau. Qu'est-ce qu'on qu qu peut comprendre ici Et euh, Dieu dit ils l'ont fait, la Bible dit qu'ils l'ont fait, donc littéralement, ils l'ont façonné, parce que le verbe ici c'est aussi façonner, fabriquer, produire. Donc ce chandelier avait été façonné avec un marteau. Et Dieu dit que Sa parole est, aussi, est comme un marteau, hein, qui brise les cœurs, euh, qui brise le roc, hein, les cœurs durs. Donc, l'Église du Seigneur est ce corps-là qui est a à tel un potier, tel, mes amis, un sculpteur, avec un marteau, le côté dur de la parole. Vous voyez pourquoi Parce que cette Église-là doit être un support, le support comme Paul le dit, que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. D'accord Donc la vérité, c'est aussi la lumière. Donc l'Église doit porter la lumière, doit éclairer, n'est-ce pas, les hommes. Voilà la vision, une des visions, n'est-ce hein, pas, euh, de l'Église. Donc, le marteau. Donc les vrais chrétiens sont passés au marteau du Seigneur. C'est pour cela qu'ils souffrent beaucoup, ces hommes et ces femmes. Ils sont passés par beaucoup de brisements, par, ils passent par beaucoup de souffrances, parce que Dieu veut leur donner la forme qu'il veut, Alléloi. et non la forme que, que, que nous voulons. Donc c'est pour cela que Dieu se sert du marteau ici, hein, pour nous marteler, pour nous façonner, pour nous briser, pour nous tailler à son image. Donc voilà. Et on continue. Sa tige, ses branches, ses plats, ses pommeaux et ses fleurs étaient tirés de lui. Et six branches sortaient de, de lui. Donc on voit bien que nous sortons de là. Donc on sort du Seigneur et, euh, et on continue. Et six branches sortaient de ses côtés, trois branches d'un côté du chandelier et trois de l'autre côté du chandelier. Mm -hmm. Il y avait sur l'une des branches trois plats en forme d'amande, un pommeau et une Donc, fleur. Donc les plats c'est des calices, hein, c'est des calices, c'est des coupes. Voilà. Et sur l'autre branche trois plats en forme d'amande, un pommeau et une fleur. Et il fit, de même, il, il, il fit la même chose aux six branches qui sortaient du chandelier. Et il y avait sur le chandelier quatre plats en forme d'amande, ses pommeaux et ses fleurs. Et un pommeau sous deux branches tirées du chandelier, et un pommeau sous deux autres branches tirées de lui, et un pommeau sous deux autres branches tirées de lui, à savoir euh, des six branches qui procédaient du chandelier. Leurs pommeaux et leurs branches étaient tirées de lui, et tout le chandelier était un ouvrage d'une seule pièce étendue au marteau et d'or Donc, on nous dit qu'il y avait une, une, seule pièce, hein, une seule pièce. Donc, le chandelier était d'une seule pièce. Donc, ce n'était pas, il n'y avait pas d'ajout. Hein, donc, euh, de la soudure. Non, 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 il non, n'y a pas de soudure. C'était vraiment d'une seule pièce avec, le, le, avec un marteau. Et eh bien, il a été façonné comme ça. En fait, ici, euh, on retrouve le héhad hein, en hébreu, un. Hein, donc, Dieu est un. On le retrouve ici. Et euh, euh, donc, on peut aussi dire littéralement. Leurs pomons et leurs branches étaient tirés de lui et tout le chandelier était un. Hein? Donc littéralement. Donc tout le chandelier était un, littéralement. Donc qu'est-ce qu'on comprend ici Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12 que nous sommes, nous, nous, nous sommes plusieurs membres et pourtant nous formons un seul corps. Littéralement, le corps est un. Et ça, c est, c est, on voit, mes amis, L'unité. Hein, l'unité, malgré la, 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 la diversité, on voit l'unité. Donc, le corps est vraiment un. Et si un membre souffre, tous les autres souffrent. Voilà, si un membre est honoré, tous les autres sont également honorés. Donc, euh, et, et, et là, et euh, ce chandelier, donc, on apprend qu'il était en or, en or pur. Pourquoi l'or On sait tous hein, que l'or, dans les Écritures, représente la royauté. Voilà quand Yeshua est né, on lui a, on lui a apporté de l'or, la royauté, pour vous montrer que cette, ce chandelier, donc l'Église, allait être composé, n'est-ce pas, des rois, Amen. des rois, tout simplement. Voilà, c'est pour ça qu'il y a l'or. Hein? Donc euh, c'est l'excellence, c'est le côté royal, Amen. voyez. Et on nous dit que c'est l'or pur. Donc voilà la pureté. Dieu veut un peuple pur, un peuple saint. Amen. Voilà. Et, euh, et qu'est-ce qu'on apprend encore ici là? Le verset 23. Il fit aussi ses sept lampes, ses mouchettes et ses ascenseurs d'or pur. Ascenseur c'est Pourquoi ascensoir? Eh bien, nous avons ici l'image de la prière. Hein? Donc ici, nous avons euh, l'or, le côté or pur. Nous voyons euh, la, la royauté des chrétiens qui sont rois. Et l'ascenseur ici nous parle de la prière. Donc nous voyons le côté la prêtrise. C'est-à-dire, on voit dans la menorah hein, la vision royale et la vision euh, des prêtres, donc des rois et des prêtres, que euh, l'Église allait être composée des rois et des prêtres. L'ascensoir, c'est la prière, voilà. C est, c est... Et qu'est-ce qu'on apprend également Et euh, dans Exode, justement, 30, euh, 31, le verset premier, euh, Herman, on apprend que c'est Moïse qui devait, n'est-ce pas construire, qui devait fabriquer euh, 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 et comment ce ce chandelier, c'est parce que Dieu le dit, hein, donc tu feras selon le modèle que je te montrais Moïse a vu la vision, il a il a, eu la, il a reçu la révélation. Et le verset 30 chapitre 31 et verset premier, qu'est-ce qu'on apprend? Yahweh oui, parla aussi à Moïse en disant, regarde, j'ai appelé par son nom Bethsaël, fils riz, fils d'Ur de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de science pour toutes sortes d'ouvrages. Afin d'inventer des dessins pour travailler l'or, l'argent et les reins. Ok. La... Oh, oh, tu continues, pardon. Dans la sculpture des pierres précieuses pour les mettre en œuvre et dans la menuiserie pour travailler dans toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour compagnon Oliab, fils d'Aisamak, fils de la tribu, euh, du moins de la tribu de Dan, pardon, et au cœur de tout homme sage, j'ai mis de l'intelligence afin qu'il fasse toutes les choses que je t'ai ordonnées. À savoir la tente d'assignation, l'arche du témoignage et le propitiatoire qui doit être au-dessus et tous les ustensiles du tabernacle, et la table avec tous ces tous ustensiles, et le chandelier pur avec tous ces ustensiles, et l'autel euh, de l'encens et l'autel de l'holocauste avec tous ces ustensiles, la cuve et sa base, et les vêtements du service, les vêtements sacrés de la. Tri, de, de la pour les, les vêtements sacrés, pardon pour le prêtre Aaron et les vêtements de ses fils pour exercer la prêtrise et l'huile d'onction et l'encens aroma aromatique pour le lieu saint et ils feront toutes les choses que j'ai ordonnées. Voilà, on apprend que c'est euh, la tribu de Judas et celle de... C'est la tribu de Judas d'abord, hein, donc on nous dit qu'il y, y a également la tribu de Dan. Et c des tribus, ces, deux tribus, pardon, euh, ces deux tribus étaient choisies par le Seigneur pour n'est-ce pas, confectionner oui, des vêtements sacrés pour les prêtres pour euh, également euh, travailler toutes sortes euh, d'ouvrages euh, en relation avec le tabernacle, avec euh, euh, ses ustensiles, tout ça et on apprend également que et, euh, Dieu avait donné de l'intelligence et de la sagesse à ces hommes et dans le chapitre 36 au verset premier, et on apprend que et Betsaïel et Oliab et tous les hommes au cœur sage auxquels Yahweh avait donné de la sagesse et de l'intelligence pour savoir faire tout l'ouvrage du service du sanctuaire firent selon toutes les choses que Yahweh avait ordonné. Et on apprend que justement Betsaïel ainsi que les hommes que le Seigneur avait mis à ses côtés avaient justement euh, comment dire obéi scrupuleusement à la volonté du Seigneur, aux ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Et ils ont construit le tabernacle, ils ont construit, ils ont fabriqué, n'est-ce pas, l'arche, ils ont fabriqué également, et, comment dire, le chandelier. Et souvenez-vous, mes amis, que Moïse est celui qui avait reçu la vision. Pourtant, ce sont des hommes comme Betsaïel et d'autres qui vont, n'est-ce pas, travailler pour faire avancer la vision que le Seigneur avait donnée à cet homme. Vous voyez bien que une seule personne, ça c'est une parenthèse, ne peut pas produire, ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur. Il faut une équipe. Ah oui. D'hommes et femmes, dans les cœurs desquels le Seigneur a mis aussi son intelligence et sa sagesse. Et qu'est-ce qu'on apprend ici Le nom de Betsaïel, mes amis, est très significatif parce que ce nom signifie littéralement « à l'ombre » ou encore « à l'ombre » ou « sous la protection de Dieu ». Donc Betsaïel, son nom signifie sous la protection de Dieu. Donc cet homme travaillait sous la protection du Seigneur. Moïse a reçu la vision et voilà d'autres frères comme Betsaïel, tels euh, mes amis, euh, 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 des hommes craignant de Dieu, et, et vont procéder à la construction du tabernacle, à la fabrication des ustensiles, tout ça qui allait être utilisé dans, ce, dans cette tente d'assignation et et ça, nous avons une belle image, mes amis, de, de la collaboration des frères et sœurs dans l'Église, de l'unité des membres, selon 1 Corinthiens 12. N'est-ce pas Chacun a reçu un don bien, bien spécifique, bien particulier, pour faire avancer le royaume. Si tout le monde voulait être Moïse, l'œuvre n'allait pas avancer. Betsaïel n'a pas cherché à être comme Moïse, parce que lui, il n'était pas parti au ciel. Vous voyez Il n'a pas vu. Lui, il a reçu des instructions de Moïse. Moïse les a reçus de Dieu, et c'est ça le royaume, c'est ça le royaume, c'est ça l'œuvre. Voyez mes amis, et Dieu nous montrait déjà à l'avance comment l'Église allait fonctionner. Voyez, mes amis, et ça, c'est beau. Et, et, et Bessayel a travaillé étant sous la protection du Seigneur pour, n'est-ce pas, euh, s'il a réussi, c'est parce qu'il était protégé par le Seigneur. Et nous avons une belle image ici du, du corps qui fonctionne. Chacun connaît sa fonction. Chaque membre connaît sa fonction. Et, et là, ben, le corps, mes amis, euh, fonctionne. Et on, 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 on voit vraiment le chandelier. Donc l'église ici en, en mouvement, cette église-là, ce chandelier, comment il a été... Construit, donc ce chandelier, la menorah, comment il était, il était mes amis, façonné avec, avec un marteau, avec de l'or pur. Mes amis, ces hommes ont travaillé et on nous dit qu'ils ils étaient intelligents, ils étaient sages et ils étaient intègres. Des hommes que Dieu lui-même avait choisis. Et Dieu dit qu'il a appelé Betsaïel par son nom. Mes amis, on ne peut pas faire, faire l'œuvre du Seigneur avec des gens que Dieu n'a pas appelés. On ne peut pas intégrer dans une équipe des hommes et des femmes que Dieu n'a Dieu pas appelés. Il faut qu'ils aient, qu aient entendu leur nom. Dieu connaissait le nom de Bethsaïel. Son nom était, sur le, on peut dire, dans, sur le, 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 dans le livre de vie. Et c'est pour cela qu'ils ont fonctionné c'est pour cela qu'ils ont travaillé correctement. Et ce corps, ce chandelier qui était censé soutenir les sept lampes, devait être, comme vous l'avez compris, en or mais de l'or pur, et travailler, mes amis, avec beaucoup de dextérité, avec un marteau. On peut voir, vous savez, cette image-là, mes amis, de ces hommes en train de travailler, et on nous dit que ce chandelier était d'une seule pièce. Et ces six branches, ces sept branches étaient, mes amis, étaient, ces sept branches sortaient d'une même et seule pièce. Et comme je vous l'ai dit, ce chandelier justement est une belle image, c'est une belle image de l'arbre dont il est question dans Jean chapitre 15. Et qu'est-ce qu'on y voit dans Jean 15 Le Seigneur dit quoi Donc Jean 15 le premier verset. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il retranche tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Ah, Herman, qu'est-ce qu'on apprend On apprend que le chandelier avait trois, euh, bien sûr, euh, euh, trois parties principales. Il y avait le pied, donc le fondement, la base, la racine. Hein, et on nous, on nous dit qu'il y avait aussi une, une tige. Donc ça, c'est l'arbre. Hein, voilà. et, euh, et puis, et, euh, les branches, pardon. Donc il y avait le pied... Il y avait la tige, il y avait les branches. Bien sûr, euh, 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 il y avait, euh, euh, au sommet des branches, il y avait bien sûr les sept lampes. Mais les trois pr principales parties du, de la menorah sont le pied, la tige et les sept branches. Alors, mes amis, ces branches, bien sûr, ici, représentent les sarments. C'est-à-dire, bien sûr, les chrétiens, l'église, nous. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend aussi que les sarments en question devaient porter du fruit. Et si on lit bien dans Exode là-bas, on verra que hein, euh, le chandelier avait aussi, mes amis, euh, des fruits, des fleurs, d'accord. Et littéralement, littéralement, en hébreu, on, on, on nous parle justement des bourgeons, hein, donc euh, des pousses. Et le verbe utilisé ici signifie littéralement fleurir, faire fleurir. Donc vous voyez bien que le chandelier devait porter des fruits. Et bien c'est l'image de l'Église, justement. Et c'est l'image, euh, justement, de, de Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Il, il y en a plusieurs. Et, euh, et là, ici, le Seigneur dit que nous sommes des sarments et nous devons être en lui pour pouvoir porter des fruits, tels les sept branches de la menorah qui devait être rattachée à la à, à, à la tige pour pouvoir porter des fruits alors pourquoi la tige Julien c'est simple parce que la tige il y avait la tige il y avait les sept conduits tu vois non les sept conduits les sept conduits n'est-ce pas étaient comme des chemins on peut y voir ici les sept chemins hein? donc et euh, donc Christ le chemin et par ces conduits Transiter l'huile pour alimenter les lampes. les lampes. Donc, si tu n'es si pas attaché à Jésus-Christ, greffé sur le corps de Christ, tu ne peux pas recevoir la sève qui vient de la racine pour être alimenté. Alléluia. Vous voyez, non? Ici, nous avons de la lumière. Et si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a des fils, fils ouais. n'est-ce pas, qui sont joints à ces lampes et au travers desquelles passe hein, à, 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 le courant. Voyez Alors si on coupe avec des ciseaux ces fils, eh bien, on n'a plus de lumière. Donc ce ne sont pas, mes amis, euh, et, et, c'est la racine qui nous porte, comme euh, Romain le dit, Paul le dit dans Romain 11. Hein? Sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte, alors ne te glorifie pas. Vous voyez? Donc, et, et ça c'est beau. Donc on voit bien que, mes amis, Yeshua est le chemin par lequel passe la vie, l'huile, l'esprit, pour pouvoir nous alimenter. En fait, et là, si ces branches portent des fruits, portaient des fruits à l'époque de Moïse, c'est parce qu'elles étaient tout simplement alimentées par l'huile. Et c'est pour cela Dieu disait que il fallait que l'huile en question soit de l'huile concassée, de l'huile pure, pour pouvoir alimenter continuellement les sept lampes. Il ne fallait surtout pas que ces sept lampes soient éteintes. Donc les sept lampes, hein, donc qui sont bien sûr les sept esprits de Dieu, devaient être continuellement, euh, 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 devaient être alimentées, alimentée. entretenues continuellement, et elles devaient éclairer de face vis à vis. Et euh, il y a un passage, si je ne me trompe pas, dans Psaume 36, le verset 10, Ici, ma mémoire est encore, euh, si ma mémoire est bonne. Dans Psaume 36, le verset 10, on sait que les sept lampes représentent les sept esprits de Dieu. Alors dans Psaume 36, verset 10, qu'est-ce qu'on y voit Et, euh, Tu peux lire psaume 36, verset 10, « Car la source de la vie est auprès de toi. » Ok, la source de la vie est auprès de, de qui Auprès de Dieu. Mm -hmm. On continue. « Et par ta lumière, nous voyons la lumière. »« Par ta lumière, nous voyons la lumière. Mm » -hmm. Comment on peut comprendre ah, ça oui. <laughs> hein? On sait que les sept lampes représentent les sept esprits de Dieu. Donc, il y a sept lumières. Et sans ces sept lumières, on ne peut pas voir la lumière. Les sept lumi lumières, n'est-ce hein, pas, de la menorah? Nous permettent de voir une autre lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, vous ne pouvez pas voir la lumière qui est Yeshua avec la lumière de la religion, avec la lumière, n'est-ce pas, de ce monde, avec la lumière des hommes. C'est pas possible. Il faut la lumière de Dieu pour voir la lumière. En fait, ici, il est question de la menorah. Par la lumière de la menorah. Eh bien, nous voyons, Yeshua, la lumière véritable. Donc, euh, par la lumière que l'Église euh, 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 porte, nous pouvons voir, Yeshua, la véritable lumière. Voyez Et c'est ça la mission de l'Église. L'Église porte la lumière de l'Évangile. Par cette lumière de l'Évangile, eh nous, nous voyons, Yeshua, la lumière qui est la vie. Parce que la source de vie se trouve auprès de Yeshua, bien sûr, l'arbre de vie. Et là, Yeshua dit qu'il est l'arbre. Sans lui, on ne peut pas porter des fruits. Mes amis, donc nous comprenons que le chandelier, c'est vraiment l'Église. Et, euh, et les sept lampes, bien sûr, comme vous l'avez compris, représentent, les, euh, euh, représentent Christ, la lumière du monde. Et on nous dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la terre devant un forme vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière apparaisse, et la lumière apparut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le jour 1. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici La lumière devait s'incarner. Et on a vu dans Ésaïe 9, hier, où il est dit que, mes amis, le peuple qui marchait. Hein, dans la région de l'ombre de la mort a vu n'est-ce pas une grande lumière et toujours dans Isaïe 9 au verset 5 on nous dit car un enfant nous est né un fils nous est donné et on l'appellera admirable conseiller père éternel dieu puissant tout ça et on voit bien que cette lumière là justement qui est venue éclairer ce qui était dans la région de l'ombre de la mort cette lumière là c'est cet enfant là justement Emmanuel qui est né, qui est venu apporter la lumière. Et on a vu hier dans Matthieu 2 que cette lumière-là a éclairé justement les sorciers, les mages, mm. des astrologues, qui observaient le ciel pour tirer des présages. Mm. Et là, ils voient une lumière qui les a, mes amis, euh, euh, complètement étonnés mm. et conduit aussi, tel un GPS, jusqu'à l'endroit où était le petit enfant. Yeshua, la lumière du monde. Et il a dit Yeshua dans Jean 8, 13. Il dit, je suis la lumière du monde. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3. Donc, ça veut dire que l'Église véritable ne peut que porter, mes amis, soutenir la lumière Yeshua. L'Église véritable ne peut que révéler Christ aux hommes, au monde. Voilà pourquoi, mes amis, tous les sites Internet qui se réclament de Yeshua. Où Christ n'est pas au centre, où Christ n'est pas révélé, où l'on passe du temps à parler des autres au lieu, de nous, au lieu de vous présenter Jésus Christ, ces sites là, mes amis, doivent être fermés au nom de Jésus Christ. Il ne faut même plus aller dessus. Parce que c'est la distraction. Le chandelier avait les sept lampes pour révéler au monde euh, euh, leur état. Parce que la lumière est claire, les hommes. La lumière montre notre état. Eh bien, l'Église véritable doit révéler constamment aux hommes, au monde, la personne de Yeshua Machia. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc, nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, le verset 1 Écrit aussi à l'ange de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a, qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Ok, voici celui qui, voici ce que dit celui qui a les sept les esprits sept de, Dieu. Esprit de Dieu. Ok. Herman, Julien. On nous dit ici qu'il y a quelqu'un qui possède, qui tient, qui détient. C'est ce que euh, le grec hein, euh, veut dire ici. Hein, le grec écho, qui a été traduit par avoir. Hein, C'est le verbe avoir. C'est aussi le verbe de tenir, le verbe tenir. Hein, donc voilà. Et on nous dit qu'il y a quelqu'un qui détient, qui tient le Saint-Esprit de Dieu. Et. Qui est cet individu Bien sûr, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Or, nous savons que les sept euh, lampes, euh, mes amis, euh, de la menorah, du chandelier, représentent les sept esprits de Dieu. Donc, Jésus-Christ nous dit que c'est lui qui tient, qui a c'est sept esprit. Et regardez, mes amis, et, euh, le verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Attendez, attendez. On voit bien que, mes amis, c'est le même être. Hein. On nous dit en haut là-bas que c'est Jésus-Christ qui parle. Et à la conclusion, on nous dit que c'est l'Esprit qui parle. Vous n'avez jamais fait attention à cela Regardez à chaque fois, Herman, pour vous montrer que le Saint-Esprit et Jésus, c'est le même être. Mm. Mm. C'est son esprit. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 2, verset 1. Ça, c'est juste une parenthèse pour vous montrer que Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est le même être, c'est le même Dieu. Il n'y a pas trois, quatre dieux. Non, il y en a un, un seul. Après Après, deux deux, Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. On nous dit d'abord qu'il marche au milieu de sept chandeliers d'or. Yeshua marche au milieu de la véritable église. Voyez Il marche au milieu de la, de la vraie église. Et on continue euh, 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 au verset euh, 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On nous dit que c'est l'Esprit qui, qui parle. Alors qu'en haut, on nous dit que c'est Jésus, et à la fin, on dit que c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est la la, 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 le, même, le même être, là, le même Dieu. Et euh, le verset 8. Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie. Le verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous oh, voyez que pareil, c'est la même chose. Au début, c'est Jésus qui parle et à la fin on dit que c'est le Saint-Esprit. Saint Donc on ne peut pas les dissocier, c'est le même Dieu. On continue le verset 12. Écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. ça c'est Jésus. Le verset 17 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. On voit que c'est pareil. Hein? Donc, ça, c'est un message. Il y a sept messages comme ça adressés aux sept églises pour nous montrer qu'à chaque fois, Yeshua hein, euh, se révèle comme étant Jésus et en même temps comme l'Esprit. On continue. Donc, le verset 18. 18. 18 maintenant. Écrit aussi à l'ange de l'église de Tiatir, Voici ce que dit le Fils de Dieu qui a ses yeux comme une flamme de feu. Ah Ses yeux comme une flamme de, de feu. feu. Donc, il a les sept yeux, hein, les sept hein, yeux de Yeshua, hein, de Dieu. Et on nous dit qu'il a des yeux euh, comme des flammes de feu. Mmh. Donc, ces yeux, ce sont des flammes. Et il y en a sept. Mmh. D'accord il, il y en a sept. Quand Jean dit. Mes amis, on, tu peux relire encore le verset premier, s'il te plaît. Le verset 18. Écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu. Qui a Qui a ses yeux comme une flamme de feu. Comme une flamme de feu. De feu. Une flamme. Tu vois, est-ce que tu as déjà vu un être avec des, des, des yeux en feu, en feu, en flamme Ah ben c'est les sept lampes de la Ménorah. Et regardez, euh, 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 regardez rapidement. On, on va mettre ça. Notre, tu mets ton doigt sur euh, ce passage-là. On va aller rapidement dans Apocalypse chapitre, chapitre 4. Julien, tu peux nous lire cela s'il te plaît. Le verset. Et, euh, et euh, voilà. Et, et le verset. Et, euh, donc on va nous lire le verset 5. Je lis. Mm -hmm. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Il y avait devant le trône sept lampes de feu ardentes qui sont les sept esprits des dieux. Donc on nous dit que devant le trône, il y a sept lampes de feu ardentes. Et ces sept lampes-là sont les sept esprits des dieux. Et Jésus-Christ dit que c'est lui qui les a, c'est lui qui les tient, c'est lui qui les, dé... qui les possède. C'est terrible. Et au chapitre 5. Qu'est-ce qu'on y voit là? Verset 6. Verset 6. Et je regardais et voici, il y en avait au milieu du trône. Voici, de, il y avait au milieu hein, du trône. Au milieu du trône, de quatre animaux et au milieu des anciens, un, un agneau qui se tenait là comme immolé, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et ça fort. Et il vint et prit le ah, livre. Ah, c'est la... bon, c'est bon. C est, c est, ce passage-là est, est vraiment euh, riche. Hein. Et je regardais et voici, il y avait au milieu du trône et des quatre animaux et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là comme immolé, ayant sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et ça, c'est terrible. Donc, il a les sept yeux, il a les sept esprits. Et ce sont des lampes. Et on nous dit que c'est l'agneau. Ce sont les yeux de, de l'agneau. En fait, Jésus-Christ, dans, dans sa... Dans, Jésus-Christ est Dieu à ah, sept yeux. Et c'est ce que Jean a vu. Et ce sont des, des flammes de feu. Pourquoi sept On sait tous hein, que c'est le chiffre de l'absolu. C'est pour vous montrer qu'il n'y a rien. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Rien. Ta situation, ta maladie, ta souffrance. Les gens qui veulent ta mort, les sorciers qui te font la guerre, les problèmes que traverse ta famille. Il n'y a pas un seul problème qu'un enfant de Dieu peut traverser, peut connaître, que Dieu euh, ne sache. Dieu, il sait tout. Dieu connaît tout, il entend tout, il voit tout. Toutes les injustices dont tu es l'objet. Toutes les injustices de, de, des hommes euh, mais, qui commettent con, contre toi, tout ce que les hommes projettent contre ses enfants, Dieu le sait, Dieu connaît ses projets, Dieu connaît ses plans. Et ça, c'est vraiment, ça nous rassure hein, que nous avons un Dieu qui voit tout, Amen. qui sait tout, qui, mes amis, euh, 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 amis euh, euh, n'oublie rien, hein? rien, toutes les belles actions que tu as faites. Le soutien que tu as apporté aux frères et sœurs, aux orphelins, aux veuves, aux étrangers, tout le bien que tu as fait durant ta vie, même si aujourd'hui, ma sœur, mon frère, tu souffres, sache qu'un jour viendra où Dieu ouvrira le livre de souvenirs. Et, n'est-ce pas, te récompensera. Et c'est beau de voir à quel point la parole est, 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 est magnifique, mes amis. Et euh, donc, euh, les sept esprits de Dieu, et regardez ce que la parole nous dit justement, dans, on, on a vu, hein, est-ce qu'on a lu tous les passages dans là-bas? Non, il restait quelques il passages. L'église de, de Tiatyr, et on prend l'église de la Odyssée, on l'a lu, non? Tiatyr, on l'a lu. On n'a pas lu le verset 20, euh, 29. 2-29 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc on voit encore cela pareil, le Seigneur parle au début, il dit que c'est Jésus, et à la fin on dit que c'est le Saint-Esprit. Voilà, donc euh, pour vous montrer qu'en fait, le, le, Jésus est bel et bien euh, l'Esprit, donc Dieu est Esprit, donc euh, il y a un seul, bien sûr, Dieu, il y a un seul Dieu. Et le chapitre 3, on l'a lu, hein, je crois, et l'église de la audition l'a pas lu, ni Philadelphie, le verset 7, 3, 7. Écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie, Voici ce que dit le saint et le véritable, qui a la clé de David, qui ouvre et nul ne ferme, qui ferme et nul n'ouvre. Voilà, ça c'est Yeshua. Hein. Et le verset 13. verset 13 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, toujours pareil. Donc le verset 14, là. Écrit aussi à l'ange de l'église de la Odyssée Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Voilà, et là, le verset 22. Verset 22, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Voilà. Donc en fait, quand Jésus-Christ parle, c'est l'Esprit qui parle. Voilà. C'est pour vous montrer que c'est son Esprit et la parole le dit. Donc il est bel et bien Dieu. Donc on ne peut pas le dissocier du de, 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 de Saint-Esprit pour créer un troisième Dieu hein, qui serait euh, co-créateur avec Jésus et qui serait différent de Jésus-Christ. Ça, c'est une, une aberration. Donc on voit bien, mes amis, que la parole est vraie. Yeshua est bel et bien mais le Dieu véritable. Et on a vu hier également dans Ésaïe 60, hein, hein, où il est dit que lève-toi et sois illuminé car ta lumière arrive. Hein, euh, euh, on nous dit que Dieu s'élève sur nous et, euh, et la gloire de, Yah de Yahweh arrive. On voit bien que cette lumière là, hein, donc il y a une progression, il y a la lumière. Ensuite, on nous dit que c'est Dieu et on nous dit que c'est la, pardon, la lumière, on nous dit que c'est la gloire et ensuite on nous dit que c'est Dieu. Dans l'Ésaïe 60. Donc, on voit bien qu'il y a une progression. Dieu est lumière, Dieu est glorieux, hein, Dieu est gloire et Dieu est Yahweh. Yahweh est Dieu et Jésus, justement, est la lumière du monde. Donc, Yeshua est bel et bien le Dieu que nous voulons, euh, euh, que nous servons, que nous voulons servir, que nous euh, voulons, euh, n'est-ce pas, euh, vous présenter, que nous vous présentons. Et dans l'Ésaïe toujours 60, on nous dit que euh, un temps viendra où Yahweh a, a, allait être notre lumière hein, pour l'éternité. Hein, donc ça c'est pendant le millénaire. Et on nous dit que justement Yahweh en question, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, que ce n'est pas la lune ni le soleil qui, 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 qui allait nous éclairer, mais c'est Yahweh, Dieu lui-même, hein, qu'il allait être notre, qu'il est notre lumière éternelle. Oh bon, Yeshua hein, est la lumière justement euh, éternelle. Donc on voit bien que mes amis, euh, que les prophètes, notamment Ésaïe et Ézéchiel, savaient avait compris que Yahweh allait un jour venir sur terre, qu'il allait s'incarner. D'ailleurs, Isaïe l'a annoncé. Et ce Yahweh, justement, ce Yahweh, est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça, là, mes amis, j'aimerais vraiment que nous comprenions, que vous compreniez que le chandelier qui était un support, supportant, portant les sept lampes, mes amis, qui sont les sept esprits de Dieu, ce chandelier qui est l'image de l'Église, et, et nous parle de notre mission, nous, en tant que chrétiens. Nous sommes censés, euh, nous sommes appelés à, à porter hein, la lumière de l'évangile dans le monde entier, dans nos foyers, dans nos maisons, partout, dans nos pays, dans nos cités. Et regardez ce qui se passe dans le monde. Esaïe 60 nous dit que euh, les ténèbres couvrent les nations. Regardez tout ce qui se passe dans le monde toutes ces guerres, tous ces problèmes, toutes ces fusillades, toutes, toutes, toutes ces personnes qui meurent par, par, dans des situations, conditions difficiles, et par des maladies, mes amis, atroces, incurables. Et, et ces, ces hommes et ces femmes qui sont frappés comme ça ont besoin d'entendre parler de Yeshua. Ils ont besoin d'entendre parler de l'Évangile. Ils ont besoin de la lumière. Ils ont besoin de la, la lumière que nous, que nous avons reçue parce que nous avons été illuminés pour illuminer les autres. Nous avons été éclairés pour éclairer les autres. Et imaginez une église qui se dit euh, chandelier. Et cette église, euh, si elle n'éclaire si pas, c'est qu'elle a perdu sa vision. Si elle n'éclaire pas les autres, si elle ne montre pas sa lumière, si elle n'est ne, elle pas, comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 5, euh, euh, la lumière du monde. C'est que elle a perdu sa vision. Et malheureusement, beaucoup de nos, de, de nos églises d'aujourd'hui, nos amis préfèrent euh, euh, se focaliser sur les choses de ce monde, sur euh, l'argent, sur la dîme, sur euh, le, le, le culte de, 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 des hommes, hein, voués aux hommes, rendus aux hommes, plutôt que le culte euh, que nous devons euh, rendre au véritable Dieu, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et nous avons besoin d'entendre un autre son de cloche. Nous avons besoin, mes amis, de la lumière. Vous savez, euh, 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 on veut nous éclairer avec une lumière luciférienne. On veut nous illuminer avec une lumière satanique diabolique. Mais la lumière de l'évangile, mes amis, est, est, est un être. C'est un être vivant, un être qui parle, un être qui, qui vient et qui, qui va bientôt nous illuminer. Allons encore rapidement voir dans Ésaïe 60. C'est un passage que j'aime beaucoup. Ésaïe 60. Verset 1er. Verset Ésaïe 60, verset 1 Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière arrive, et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Car voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité couvre les peuples. Mais Yahweh se lève sur toi, et sa gloire apparaît sur toi. Mm -hmm. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la splendeur qui se lèvent sur toi. Des, des nations marchent à ta lumière. Et euh, voilà, donc il est question ici, vraiment, de mes amis. Euh, et de Sion, hein, de Sion, et euh, bien sûr, il de question d'Israël. Un temps viendra où Israël, bien sûr, sera restauré. Mais prophétiquement aussi, il est question de, de l'Église qui doit se lever, des saints, des chrétiens que nous sommes, parce que le Seigneur a dit aux apôtres et également à nous autres d'aller dans les nations et de, de, de les enseigner, de leur enseigner la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Et, le Seigneur dit euh, euh, que les ténèbres et l'obscurité couvrent euh, les peuples. Et c'est exactement ce qui se passe. Le péché, les guerres, les famines, les tsunamis, les calamités, des problèmes, euh, toutes sortes de problèmes qui frappent les nations et les gens, et beaucoup sont désespérés. Beaucoup ne savent pas vers qui se tourner. Et justement. Nous avons reçu le mandat, nous avons reçu l'appel, la mission, nous chrétiens, d'apporter la lumière. Et cette lumière, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Cette lumière, bien sûr, est accompagnée des fruits, des fruits, bien sûr, de Galates 5,22, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bonté, pardon, et euh, 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 la tempérance, la foi, et tout ça. Donc, on est, on, la lumière est accompagnée naturellement des fruits, naturellement. Il y a des religions, euh, des gens qui vont faire, se faire exploser pour aller au paradis, pour apporter, n'est-ce pas, euh, soi-disant, euh, pour changer euh, le monde et, par la violence. Par, et, et nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à apporter la paix. C'est pour cela qu'on va, on va encore nous montrer euh, l'image de la menorah. Hein, donc, euh, et j'aime bien cette image -là avec euh, le mot shalom, la paix. Donc vous voyez bien que c'est accompagné avec les fruits le fruit de la paix. Le, euh, le fruit de l'amour, de la joie, de la bonté, de la persévérance. Plus Dieu nous éclaire, plus euh, son amour nous inonde. Plus Dieu nous éclaire, plus sa paix nous inonde. Plus Dieu nous éclaire, plus sa joie nous inonde. voyez Et la lumière apporte bien sûr la connaissance. La connaissance nous permet de faire des choix. Une fois qu'on est éclairé, qu'on a, qu a reçu la connaissance, ben, on peut choisir hein, de se séparer d'avec la, la, la mauvaise compagnie. On peut bien sûr se repentir parce que la lumière nous apporte l'éclairage, donc on se repent de notre vie, de, notre, de nos péchés, et pour pouvoir suivre le Seigneur. Et notre génération a plus que besoin de la lumière qui est Yeshua pour être illuminée, pour être éclairée. Paul disait que, il disait aux Éphésiens dans Éphésiens 1:18, il disait que Dieu illumine, que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Il disait également dans Ephésiens 4, n'est-ce pas, au verset 17 là-bas, que les gentils, les non croyants, les non chrétiens sont comme plongés dans les ténèbres. Leurs pensées, leurs cœurs, tout ça sont obscurcis par les ténèbres. Et ils ont besoin justement de l'Évangile véritable. Et cette lumière-là se traduit bien sûr par l'Évangile du Royaume. Apporter l'Évangile du Royaume, qui est un autre Royaume qui arrive. Il s'installe d'abord dans les cœurs de ceux et celles qui, euh, n'est-ce pas, acceptent de, 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 de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce royaume sera établi sur terre pendant mille ans à partir de Jérusalem. Et, euh, et dans Ésaïe 60, ce le Seigneur dit quoi au verset euh, 18 On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire, mais tu appelleras tes murailles salut et tes portes louanges. Tu n'auras plus le soleil pour la lumière du jour et la lueur de la lune ne t'éclairera plus mais Yahweh sera pour toi la lumière éternelle et ton Dieu sera pour toi la lumière euh, ta gloire pardon ton soleil ne se couchera plus ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne se retirera plus car Yahweh sera pour toi une lumière perpétuelle et les jours de ton deuil seront finis écoutez écoutez bien écoutez il y, y a quelque chose ici qu'on a qu'on va comprendre ici là il y a quelque chose de fort ici, il y a une, une comparaison ici, n'est-ce pas, que euh, Esaïe est en train de nous faire ici, et c'est beau, c'est profond, il dit au verset euh, 19, « Tu n'auras plus le soleil pour lumière du jour, et la lueur de la lune ne t'éclairera plus. » Donc là, il est question des deux astres hein, euh, euh, que le Seigneur a créés pour présider à la, au jour et à la nuit, donc, le soleil et la lune. Et on peut aussi voir ici, donc, euh, euh, Israël physique. Hein? Donc, parce que le soleil, c'est Jacob et la lune, bien sûr, c'est Rachel. On peut voir selon euh, euh, Genèse 37, la vision de, de, de Joseph. Et on nous dit qu'il y a un autre soleil et une autre lune qui vont continuer à éclairer les, 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 les hommes. Donc Dieu se présente ici comme le soleil et la lune. N'est-ce pas C'est terrible. Il se présente comme le soleil et la lune qui vont continuer à éclairer les hommes pendant l'éternité. Frère, c'est magnifique. Et Yeshua se présente justement comme l'étoile brillante du matin. Et regardez ce que Pierre dit dans 2 Pierre 1:19. Oh Seigneur, Dieu va enlever la lune actuelle, il va détruire le soleil actuel et il va les remplacer par le véritable soleil et la véritable lune, c'est-à-dire Yeshua. Dieu est notre lumière. Nous sommes dans 2 Pierre 1,19. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme. Ah, la parole des prophètes est très ferme. Donc, elles ne peuvent que s'accomplir. Mmh. Hein, ces paroles-là, les paroles des prophètes, parce qu'il y en a plusieurs. À laquelle vous faites bien d'être attentif, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce, jusqu ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et que l'étoile du matin se lève hein, dans vos cœurs. Pierre nous dit que l'étoile du matin va se lever hein, dans nos cœurs. Et, euh, voilà. et Yeshua est justement, selon Apocalypse 22.16, il est notre étoile. Et c'est la même étoile d'ailleurs, hein, pour votre information, qui a dirigé les astrologues, les mages. Voilà. Donc, euh, Yahweh sera notre lumière. Voilà. Et c'est lui, Yahweh, qui va nous éclairer pour l'éternité. Regardez dans Apocalypse, euh, euh, justement, euh, Herman, chapitre 22. Voilà. Apocalypse, chapitre 22. Et, euh, non, pardon, 21, le verset 22. Donc 21, verset 22. Et je ne vis pas de temple dans la ville parce que le Seigneur, du moins 22, voilà. Et je ne vis pas de temple dans la ville parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Ah, le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Donc là, on voit bien que Dieu et l'agneau, c'est le même être. Hein? Voilà. Donc il y a un seul temple et les deux, donc le, le, le Dieu et l'agneau, donc c'est le, le même être, est un temple. Voilà. Donc, il euh, y a un seul temple, bien sûr. Et euh, donc, euh, voilà. Donc, parce que le, le verbe ici est au singulier en même temps. Hein, donc, euh, c'est pour, pour, pour que les, les trinitariens, les trinitaires euh, apprennent encore bien comme il faut la leçon hein, pour, pour qu'ils se repentent. Parce que voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apprend encore Et la ville n'a pas besoin de, du soleil ni de la lune pour éclairer car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. L'agneau est son flambeau. D'accord L'agneau est son flambeau. C'est-à-dire la gloire de Dieu. Donc, on voit bien que l'agneau, la gloire, Dieu, c'est le, le même être. Il Yeshua est vraiment la lumière qui va nous éclairer pour l'éternité. On nous dit que l'agneau est le flambeau de la ville. D'accord Donc, l'agneau est le flambeau. En fait, l'église porte les sept lampes. Yeshua, le corps de Christ, hein, donc nous sommes le corps de Christ, et Christ est la lumière de ce corps qui nous éclaire, qui nous illumine. Et, et on nous dit qu'il est aussi le flambeau de la nouvelle Jérusalem. Le flambeau de cette ville sainte pour l'éternité. Donc, si Dieu est la lumière éternelle, mes amis, selon Esaïe, 19, Esaïe 20, pardon, à partir du verset 19, on nous dit qu'Yahweh est la lumière éternelle de cette ville. Et là, dans Apocalypse 21, 22, on nous dit que c'est Yeshua qui est le flambeau de cette ville. Donc, on voit bien que Yahweh et l'agneau, c'est le même être, c'est le même Dieu. Voilà. Donc, nous voulons, mes amis, au travers de cette exhortation, vous encourager hein, à vraiment chercher à marcher avec le Seigneur, à chercher à le connaître, à chercher à le servir, car notre rôle est de vous enseigner, hein, de vous parler de Yeshua matin, midi, soir. Et, et, et c'est cela, c'est à cela que Dieu nous appelle. Et c'est cela, mes amis, euh, euh, c'est ce que nous devons tous faire, c'est révéler au monde la personne de Yeshua. Pas seulement en prédication, mais aussi en démonstration de la puissance véritable. Voilà pourquoi nous ne restons pas assis indéfiniment ici hein, dans les plateaux de, sur le plateau de TV de vie. Nous bougeons aussi en mission pour libérer les âmes, pour apporter la lumière. Et on a pu le voir hein, ce dimanche à Lyon, à Lyon Julien, oui. hein, comment le Seigneur a glorifié son nom. Avec toutes ces manifestations des démons, eh, qui euh, ont senti le, parce que la lumière c'est le feu, hein, c'est le feu, le feu était arrivé et on a senti vraiment que les puissances territoriales étaient secouées dans se tout coup, le oui. euh, 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 dans tout le sens. Et nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie dans nos cœurs. Et d'ailleurs, euh, rappelez-vous bien la première fois que vous vous êtes converti ou que vous avez reçu l'Évangile. À quel point la lumière nous a, vous a éclairé, illuminé. illuminé. À quel point vous, vous êtes senti sale pleurant hein, comme une madeleine euh, euh, de toutes vos tripes, confessant vos péchés, parce que la lumière justement est venue d'arriver. Rappelez-vous bien également la première fois où vous avez entendu parler du retour à la parole. Il y en a qui se disaient, Seigneur, pendant, pendant des années, j'ai fréquenté des assemblées, mais je n'avais pas vu les choses comme ça. On m'a fait croire qu'il fallait payer la dîme pour être béni. On m'a fait croire que le dimanche est le jour du Seigneur. On m'a fait croire qu'il fallait prêter les enfants au Seigneur. On m'a fait croire qu'il fallait construire des églises comme des, des bâtiments. On m'a fait croire euh, 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 que il y avait tellement de choses qu'on nous a fait croire et là quand la lumière arrive, Yeshua, hein, Eh ben, on se sent tellement, mes amis, sales. On se sent tellement euh, ignorant, incapable parfois d'entreprendre quoi que ce soit. On se dit, mais Seigneur, mais pendant des années, euh, je n'ai rien appris. Voilà. Eh ben, c'est ça, Christ, la lumière. Quand on est à, à, illuminé comme ça, eh bien on peut rester des heures et des heures en train de suivre des vidéos, des enseignements, parce qu'on se dit, ce n'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut que tout le monde le sache, il faut que tout le monde découvre la vérité. Et eh bien, c'est ça la lumière Yeshua. Et pour finir, il a dit dans Jean chapitre 8, verset 13, et Jean 9, 1. Il a dit quelque chose qui... qui, qui il a libéré des paroles qui, qui sont très très touchantes. Jean chapitre 8, 13. Donc, Jean 8, le verset 13. Alors le pharisien lui dit rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas digne de foi. Jésus répondit, je oh ouais. Jésus répond, Jésus répondit et leur dit, quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est digne de foi, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, mais moi, je ne juge personne. Si je juge, mon jugement est digne de foi, car je ne suis pas seul, mais avec moi et le Père qui m'a envoyé. Il est même écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est digne de foi. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend aussi témoignage de moi. Alors ils lui dirent Où est ton Père Jésus répondit Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaissez. Ah, pardon, 12, verset 12, Herman, 12. autant pour moi. Et Jésus leur parla encore en disant Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ah, on voit bien que la lumière est en même temps la vie. Et on a lu dans, dans, dans Psaume 36,10 que la source de vie est auprès de Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. D'accord Parce qu'il le dit ici. Dit, Jésus leur parla encore en disant Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est clair, hein? la lumière de la vie. Donc, il est la vie en même temps. Et euh, voilà. Donc, il faut le suivre pour être illuminé, pour être éclairé. Donc, il ne faut pas suivre les gens qui ne parlent pas de Jésus-Christ. Il faut quitter les églises où Christ n'est pas enseigné, où Christ n'est pas révélé, où on ne parle pas de Yeshua. Si on parle de l'argent, si on parle de bâtiments, si on parle des dix de, 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 de clés pour réussir, des vingt stratégies à avoir pour marquer son temps, eh bien, quitter ces églises-là. Ce sont des églises qui sont influencées par le, le New Age. Il faut aller dans les assemblées où Christ est glorifié, aussi bien par les enseignements, les exhortations, les prédications, que par les fruits que ces hommes et ces femmes portent, c'est-à-dire la sanctification. Parce que beaucoup pensent que l'amour, c'est la compromission, le fait, de, le fait de se taire. Non, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est le fait de dire la vérité dans l'amour, dans la sagesse, bien sûr. Mais l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'aime pas l'injustice, comme Paul le, le dit si bien dans 1 Corinthiens 13. Et. Il est question de suivre la lumière, donc il faut suivre la lumière, comme les mages ont suivi l'étoile. Et parce qu'ils ont suivi l'étoile, ils ont, n'est-ce pas, eu, euh, la, ils ont été conduits jusqu'à la maison où il y avait l'enfant. Si vous voulez aller à la maison de Dieu, il faut suivre l'étoile. Il faut suivre la lumière. Voilà. Et Jean 9, 1, parce que Hérode. Hein, il était bien sûr roi de. de, de, roi, hein, euh, de, de, de à Jérusalem, là-bas, il régnait. Hein, il était roi de Jérusalem, roi, n'est-ce pas, de, 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 de son, 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 son royaume. Mais il n'avait pas la lumière. Donc il n'avait pas l'adresse de la maison où se trouvait le petit enfant. Il n'avait pas toutes les infos. Et ce sont des, des mages qui sont venus d'Orient, de, 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 de loin, hein, de l'Orient, et ce sont eux qui avec l'adresse. C'est pour ça qu'il faut suivre l'étoile. Comme quand on conduit, on suit le GPS, il faut suivre la lumière. Il faut suivre la lumière, voilà, c'est clair. Jean 9.1. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant, Maître, qui a péché Celui-ci ou son père ou sa mère pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit, Ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ah, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du, du monde. Jésus-Christ nous dit qu'il est la lumière. Mes amis, donc la parole est claire il n'y a pas d'autre lumière que Jésus-Christ. Non, il n'y a pas d'autre vérité que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre lumière. C'est ça la vérité. Jésus-Christ est la lumière. Voilà pourquoi nous avons voulu partager sur la menorah pour vous montrer que Yeshua est bel et bien les sept lampes, les sept esprits de Dieu, hein, dont, dont il est question dans Zacharie 3, dans Zacharie 4 également, où on nous dit que sur cette pierre, eh bien, il y a les sept yeux hein, Donc, euh, qui sont les sept esprits de Dieu. Et, et, et c'est Yeshua, mes amis, qui détient ces sept esprits. Alors, les choses sont claires. Il faut véritablement suivre Jésus-Christ. Je ne veux pas marcher avec des chrétiens qui ne, qui ne glorifient pas Yeshua. Je ne veux pas suivre des pasteurs qui ne prêchent pas sur Jésus-Christ en Nazareth. Il faut qu'on nous parle de Yeshua. Voyez, qu'on nous parle de lui. Il est il est la lumière du monde, il le dit. Si le monde veut être éclairé, eh bien, le monde a besoin. Hein? Le monde doit suivre Yeshua, la lumière. Il dit Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il dit qu'il qu il il fallait qu'il fasse les œuvres de celui qui l'avait envoyé parce qu'il était encore jour, car la nuit allait arriver. Donc, Yeshua annonçait, mes amis, des événements terribles qui allaient subvenir sur la terre, dans le monde, et c'est exactement ce que nous voyons. Paul nous dit C'est l'heure de se rêver du sommeil, hein, parce que le jour est la nuit est avancée et, et le Seigneur est en train de revenir. On, on voit bien que nous sommes dans un temps ténébreux, un temps d'angoisse. Un temps de confusion, un temps de souffrance dans les familles, dans les foyers, des divisions ici et là, des morts, des décès, des maladies euh, AVC, que, des maladies telles que l'AVC, le sida, euh, le cancer. Le cancer, il y a tout l'hépatite, tout ça. Il y a tellement de maladies qui frappent les hommes, mes amis. Il y a tellement de souffrances aujourd'hui. Il y a tellement d'églises qui sont malades, des pasteurs qui aimeraient bien servir le Seigneur autrement. Il y a tellement de choses que les hommes ont mis en place, des fédérations complètement paganisées pour maintenir les chrétiens dans l'ignorance, dans la compromission. Et l'appel est lancé que les vrais prédicateurs, les vrais chrétiens, les vrais pasteurs, les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais anciens, les vrais diacres, les vrais diaconesses, les vrais enfants de Dieu qui veulent. Aller au ciel, qui ne veulent pas se compromettre. Il est l'heure, mes amis, de nous préparer pour le retour du Mashiach, Car l'enlèvement de l'église, le retour de Yeshua, c'est cette grande lumière qui arrive pour nous éclairer et tous ceux qui seront éclairés partiront à la rencontre du Maître. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Suivez Yeshua. Suivez Yeshua qui est notre étoile, qui est l'étoile véritable. Il n'y a pas d'autre message que Jésus-Christ de Nazareth. Cette lumière apporte la repentance, la conversion. Cette lumière, mes amis, c'est la croix. La croix qui, mes amis, euh, 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 sur la croix Yeshua, comme vous le savez, a tout accompli. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Notre Dieu sait toutes choses. Les apôtres ont dit au Seigneur, Seigneur, nous n'avons même pas besoin de t'interroger parce que tu sais toutes choses. En tant que Dieu, il sait toutes choses. Oui, en tant qu'homme, il était... Volontairement, il s'était volontairement limité, mais en tant que Dieu, Yeshua, c'est toute chose. Et nous voulons vraiment lui dire encore merci pour sa bonté, pour son amour, pour son assistance, pour tout, euh, toutes les belles choses qui nous permettent de vivre, d'expérimenter. Je tenais à vous dire, mes amis, ce week-end, ce samedi, nous sommes à Stuttgart pour partager l'évangile et euh, que les frères et sœurs de toute l'Allemagne soient fortifiés, soient encouragés. Au nom de Yeshua. Donc ce samedi, nous serons à Stuttgart. Toutes les infos sont sur le site de TV et Radio de Vie. Et euh, donc euh, le samedi euh, qui va arriver, le samedi, je crois, si je me trompe, 28. Hein, donc nous serons de nouveau à Évry. Et euh, le dimanche 29, on sera à Lyon de nouveau. Allô, bonsoir. Et euh, parce que ça bouge énormément à Lyon, hein, du côté de Lyon. Et euh, le 4 décembre, il y a une nuit, une nuit de prière et d'adoration avec la jeunesse. Je sais que il y aura aussi des, des papas, des mamans. Donc euh, voilà. Et euh, donc vous êtes, également les, vous êtes également, les bienvenus. Le 18 décembre, on sera à Londres. Voilà, à Londres. Donc euh, que le Saint soit béni. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonjour. Bonsoir. Il y a une semaine, je me suis levé et je pensais au, comment on fiançailles avec, euh, avec ma fiancée et j'entends comme ça l'enlèvement. Et euh, cette nuit, il était vers 5h, heures, 4h heures du matin, et euh, j'entends, il faut se préparer. Il reste peu de temps. Il faut se préparer, il reste peu de temps. Et euh, je ne pouvais pas m'empêcher, plaît, pour dire que le Seigneur revient bientôt et qu'il faut vraiment qu'on se prépare pour confirmer vraiment ce que tu dis, frère Chora, que ce que tu as reçu depuis longtemps, le Seigneur revient, il est vraiment à la porte. Et je voulais encourager vraiment toute l'équipe de TV de Vie à t'encourager aussi, frère Chora, à vraiment être couvert encore de ce feu de gloire. Que le Seigneur encore te remplisse de sa présence, de son esprit, afin que tu puisses encore aller dans les nations. Parce que le Seigneur vraiment revient, il faut prier dans les gares, dans les rues, partout. Et je suis affolé quand je vois ce que le Seigneur fait. Bien sûr, il y a des choses qui se passent dans le monde, mais comme tu l'as dit, il ne faut pas se laisser distraire par tout ce qu'il y a dans le monde. Mais il faut continuer à avancer. Que Dieu soit béni. Voilà, c'était par rapport à ça. Vraiment, le Seigneur revient bientôt. Merci. C'est sûr. Que Dieu soit béni. Oui, merci. Bien. Voilà, donc euh, on a une belle image aussi dans Matthieu 25 hein, avec euh, la parabole euh, de dix vierges et euh, celles qui étaient parties hein, à l'enlèvement, celles qui partiront euh, à la rencontre de l'époux, ce sont ces hommes et ces femmes et, euh, et euh, ces personnes qui, en plus des lampes, avaient de l'huile. On voyait bien que il fallait de l'huile pour entretenir les lampes. D'accord euh, Et euh, il faut le, le Saint-Esprit. Donc, que le Saint soit bien, en tout cas, préparons nos lampes, préparons euh, euh, l'huile également, et, euh, car le Maître n'est pas loin, mes amis. Et je crois qu'on parlera aussi un hein, de ces jours de l'huile qui était préparée pour entretenir ces lampes, pour alimenter ces lampes. On a besoin de l'huile, et l'huile, c'est le Saint-Esprit, c'est l'onction, et, hein, et euh, on a besoin de cette relation avec le Seigneur. C'est pour ça que prêcher sans l'huile, ça ne sert à rien. Il y en a, qui prêchent sur Internet, ils font des sites ils vont parler sur les autres, ils vont faire des montages ici et là pour critiquer les autres, mais ils n'ont pas l'huile. Donc euh, le peuple va, il euh, y a des gens qui vont les écouter un peu pendant quelques temps, et à un moment donné vont se fatiguer parce que c'est la routine, mmh. parce qu'il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de conversion, pas de baptême. Il n'y a pas les fruits de l'esprit parce que qu'on voit bien que la, la menorah il y avait des fruits. Mmh. Donc il faut les fruits, il faut les œuvres. Mais s'il n'y a pas les œuvres. Comment voulez-vous que les chrétiens soient tous... Peuvent, les enfants de Dieu ont besoin de voir les œuvres du Père. Le Seigneur a dit, mon père a agi jusqu'à présent, mon père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. travaille. Voilà. Donc oui. il y a question de travailler. Oui. Voilà, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Oui. Il y en a, c'est comme les, 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 ils sont comme les, le riz saint de Jonas. Oui. Il pousse en un jour, en un jour, ça meurt. Donc, euh, Mais euh, l'œuvre que le Seigneur fait dure, perdure et euh, subsiste. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas de feu de paille. Que Dieu soit béni. Allô, bonsoir. Oui. oui. J'avais une question en fait, parce que depuis hier soir, en fait, vous euh, parlez en fait sur le, le fait que on doit, cette lumière se lève. Et puis moi, j'avais une question parce que euh, les seigneurs euh, me demandent en fait euh, justement d'amener de, de, cette lumière. Mais en tant que jeune on est toujours un peu euh, alors on ne sait pas toujours comment se positionner en fait, comment entreprendre les choses. Et puis, euh, vu que. Euh, vous êtes passé par là, qui a par exemple le frère euh, Herman aussi qui est sur le bateau, ben, j'aurais aimé avoir des conseils en ça. D'accord, donc euh, si tu veux donner ton, tes coordonnées téléphoniques à l'équipe tout à l'heure, hein, donc euh, à l'équipe technique, comme ça Herman pourra éventuellement te rappeler, pas de problème. Mais sinon, euh, euh, ce que je pourrais te dire simplement, c'est de rester focalisé sur la lumière qui échoue à notre Seigneur et sauveur. Et euh, comme Moïse, plus Moïse avait son regard fixé sur Yahweh, plus son visage s'illuminait. Hein? Et regarde, regarde et justement un passage dans 2 Corinthiens. Il faut vraiment rester focalisé sur le Seigneur et faire absolument ce qu'il te dit. Et euh, n'en déplaise aux gens, n'en déplaise aux gens qui te connaissent. Et euh, parce que très souvent, on, 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 a peur de pas, on peut avoir peur de parler parce qu'on ne veut pas frustrer, on ne veut pas blesser il faut vraiment faire l'œuvre du Seigneur et ne pas surtout euh, s'arrêter sur euh, toutes les choses qui peuvent avoir lieu, euh, tout ce qui peut avoir hein, tout ce qui peut se passer autour de nous voilà. Il faut vraiment rester sur ce que le Seigneur te met à cœur, sur ce que la parole dit et euh, voilà. Et dans 2 Corinthiens 4 justement et, euh, et Paul dit et, euh, au verset et, euh, 3 si notre évangile est encore voilé, il, il ne l'est que pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière de l'évangile, de la gloire de Christ, lesquels est l'image de Dieu. Donc, ici, on voit bien que la lumière en question, c'est vraiment la lumière de l'évangile. Donc, il y a la lumière de l'évangile, donc Christ en tant que parole, que nous devons prêcher, même si ça doit nous coûter la vie. Hein, donc on ne va pas se faire exploser comme les autres bien sûr on prêche avec amour mais on peut aussi être empoisonné, on peut, on peut aussi nous, nous lapider comme Étienne, comme les premiers chrétiens comme beaucoup de chrétiens dans les pays musulmans où ils sont égorgés, ils sont tués à cause de leur choix pour de suivre Yeshua, donc il faut vraiment euh, euh, avancer avec la lumière parce que les incrédules de ce monde les gens de ce monde sont aveuglés par Satan pour ne pas qu'ils voient la lumière de l'évangile dans 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 Psaume 36, 10, on l'a lu tout à l'heure, il est dit que ta lumière nous, permet, nous donne à voir la lumière. Donc et euh, la lumière nous permet de, 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 de voir la lumière. Et donc la lumière et l'évangile nous permet de voir Christ, la lumière véritable. Donc c'est pour cela qu'il faut annoncer l'évangile qui est la lumière. Et là les gens seront illuminés et ils vont maintenant voir Dieu en tant que lumière. Hein, ils vont être en relation avec cette lumière qui est Dieu lui-même. Vous voyez Et c'est ça qui est magnifique, mon frère. Donc il faut annoncer l'évangile. Il faut vivre d'abord l'évangile parce que la meilleure façon d'annoncer l'évangile, c'est de le vivre soi-même. C'est de porter les fruits comme le, la menorah, porter des fleurs, des fruits. N'est-ce pas Donc il faut porter des fruits. Il faut que les œuvres du Seigneur soient faites en nous. Et là, ben, et, et là ben, les gens seront touchés, seront fortifiés. Donc reste, ferme, reste fermement attaché à ce que le Seigneur t'a dit. Voilà, que Dieu soit béni. Et, et, et là, Paul dit justement, mes amis, ça c'est une parole euh, un verset puissant. Hein? Donc pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient, qu ne soient pas éclairés par la lumière de l'Évangile, de la gloire de Christ. Donc on voit bien que la lumière est toujours associée à la gloire et également à Christ, n'est-ce pas Donc euh, et, et, et voilà. Et regarde le verset, le verset 4, 5, car nous ne prêchons pas nous-mêmes. Donc, une église qui prêche les hommes, vous devez la quitter. Un pasteur qui prêche sur sa vie, quittez-le. Un apôtre qui parle de sa vie, quittez-le. Un prédicateur qui ne fait que prêcher sur les autres, quittez-le. Un site qui ne fait que parler des autres, qui ne fait que parler des musiciens de ce monde, quittez-le. Paul dit que pour ceux du monde, ceux du dehors, Dieu s'en occupe. Voilà. Donc, ça, c'est la distraction. Paul dit Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ le Seigneur, et nous déclarons que nous sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus. Et le verset 6 Car Dieu qui a dit que la lumière resplendisse des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs. Donc Dieu est la lumière, celui qui a resplendi dans nos cœurs, pour manifester la connaissance de la gloire de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Waouh! Wow. Ah donc on voit bien que la lumière amène la connaissance et la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Donc on voit bien que le, le, ce que nous vous disons depuis le, depuis le commencement du, de l'enseignement est, n'est-ce pas, biblique et cohérent. Donc la lumière apporte la connaissance. C'est pour cela que Paul a été illuminé. Paul a reçu la révélation de Jésus-Christ et il a quitté la religion et il a tout quitté. Il a considéré toutes les choses de ce monde comme de la boue. Voilà. C'est pour cela qu'un site Internet qui vient de Dieu est un site où Christ est glorifié du matin au soir, où on enseigne sur Jésus-Christ de Nazareth comme étant le lion, comme étant l'agneau, comme étant le chemin, comme étant la lumière, comme étant l'eau, comme étant la vie, comme étant l'épée, comme étant Dieu, comme étant le Fils, comme étant le Saint-Esprit, comme étant, mes amis, tout. Et c'est ça dont nous avons besoin qu'on nous présente Jésus, parce que nous sommes à la veille de l'enlèvement de l'Église. On n'a pas besoin de distraction, on a besoin de rester sur la croix, de rester sur la sanctification, sur la sainteté, la crainte de Dieu, sur le vrai message que l'Église doit propager. L'évangile du royaume, qu'on nous parle du ciel, qu'on nous parle, mes amis, de la nouvelle Jérusalem, qu'on nous parle, mes amis, de notre Dieu, qu'on nous présente Dieu, le Dieu qui sauve, et en même temps des guérisons qui, qui, qui accompagnent le message. C'est ça. Mes amis, l'évangile. Et, et, et on aime la parole, on veut la, la, la vivre, mes amis. Voilà. Et regarde ce que Paul dit à Ephésiens. Hmm? Oh Dieu, merci. Gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon. Et euh, le Seigneur est vraiment magnifique. Ephésiens, dans Ephésiens, chapitre 5. Le verset 12. Car il est honteux de dire les choses qui se font, qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la ah, lumière. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Donc, si vous voulez que les choses cachées soient manifestées, telles que la sorcellerie, telles que euh, la, euh, le, péché, le péché, dans les églises, dans nos vies, dans nos foyers, il faut la lumière. 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 C'est la lumière qui manifeste tout. Mm -hmm. On continue car la lumière est celle qui manifeste tout. Car la lumière est celle qui manifeste tout. Donc, sans la lumière, il ne peut pas y avoir la manifestation, hein, l'éclairage. Euh, sans la lumière, eh bien, le péché est, est caché. C'est pour cela qu'il est dit. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car la lumière est celle qui manifeste tout. C'est pourquoi il est dit réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts. Et. et Christ t'éclairera, t'éclairera, donc la parole est claire ici Herman, c'est Christ qui nous éclaire, ce n'est pas une divinité païenne, ce n'est pas mes amis les religions, ce ne sont pas les apôtres, les prophètes, les docteurs, les... c'est Christ qui nous éclaire et Christ t'éclairera, waouh. Waouh, mes amis, ça c'est magnifique, c'est glorieux. Et, 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 et la parole nous dit que les, 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 les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bontés, tout ça là. Et, et, et ça c'est et, et magnifique, mes amis. J'aime beaucoup cette parole aussi là. Et, et, et c'est fort, c'est fort, c'est fort. Voilà, c'est fort, voilà. Donc, euh, Christ, la lumière, et bien sûr, c'est cette, cette lumière là qui nous éclaire, qui nous, qui nous sauve. Voilà. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Tenons bon, mes amis. Bientôt, c'est notre délivrance. Notre délivrance arrive, notre salut arrive. Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse Jérusalem, que Dieu se souvienne de tous les descendants physiques d'Abraham, c'est-à-dire les, les juifs biologiques, les juifs physiques et les nations et, et les arabes. Que Dieu bénisse également les nations arabes, que Dieu bénisse la Palestine, que Dieu se souvienne hein, des descendants d'Abraham et que euh, des cœurs qui cherchent véritablement la vérité soient illuminés au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier de demander au Seigneur de bénir aussi notre, notre pays, la France. N'est-ce pas? Donc, euh, qui est très éprouvé, que Dieu se révèle à nos autorités, que Dieu bénisse tous les gendarmes, les policiers, les autorités, les députés, les sénateurs, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont élevées en dignité, les renseignements généraux, que Dieu bénisse tout le monde au nom d'Yeshua et qu'il bénisse également l'Afrique, la RDC, le Congo RDC, Congo brazza, Côte d'Ivoire, Gabon, tout ça, toutes ces toutes ces, toutes ces nations, les États-Unis, les îles également. Je ne peux pas parler seulement d'une seule nation. Vous voyez, à chaque fois, on est obligé de parler de du monde entier parce que parce que nous sommes un corps un corps mais mmh. composé de plusieurs nationalités n'est-ce pas et c'est ça qui est magnifique le corps de Christ donc les nations arabes les îles tout ça l'Australie l'Asie la Chine le Japon tout ça toutes ces nations que Dieu se souvienne de chacun de vous mes amis et encore merci pour vos prières pour votre soutien nous sommes très encouragés à tantôt comme disent les belges au revoir Música